pratique de la pleine conscience est de toujours arriver. Arriver ici et maintenant. Nous avons beaucoup couru, mais nous ne sommes pas arrivés. La méditation de pleine conscience est une forme de méditation qui est sans doute la plus simple des méthodes de méditation, qui consiste à se rendre présent à ce qu'on est en train de vivre. Donc on s'arrête, on se retire des actions, des distractions, on se pose et on prend conscience de ce qui se passe en nous et autour de nous. Comment nous respirons, comment est notre corps, quelles pensées, quelles émotions nous habitent, ce qu'on entend, ce qu'on voit. C'est juste ça, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas toujours. C'est la cloche de la pleine conscience. Plusieurs fois dans la journée, assez souvent, lorsque la cloche retentit, c'est un signal. Ça veut dire, où en es-tu ? Prends conscience de ce que tu es en train de vivre à cet instant, de ce que tu es en train de faire à cet instant. Réjouis-toi d'être vivant, réjouis-toi d'être là, rends-toi présent à ta vie. Et c'est un truc très intelligent et très précieux. Au fond, ça nous rappelle que nous n'avons qu'une vie. Ça serait trop absurde de la passer dans la dispersion, dans l'agitation, de ne pas savourer le présent parce que nous sommes dans nos projets ou dans nos regrets. Donc c'est un petit truc, mais pertinent. J'avais un chien et il est mort et j'ai été très triste. Imagine que tu regardes le ciel, tu vois un magnifique nuage. Le nuage est devenu la pluie. Et quand tu bois ton thé, tu peux voir la pluie. Le passé n'est plus. L'avenir n'existe pas encore. Il n'y a que le moment présent. Il ne restait plus qu'une paix profondément enracinée.